peut dire que si on est naïf, hein, qu'il s'agit là d'une espèce de philanthropie formidable. Cela étant, si on est un peu moins naïf, on s'aperçoit que la limite entre ce qui soigne et ce qui augmente est perdue de plus en plus de vue. Soulager la souffrance est mis immédiatement au service d'un projet consistant à augmenter, à transformer, à remodeler. On ne peut plus tracer une frontière bien définie entre l'humain et la machine. Nous allons évoluer et nous allons changer ce qui nous sert à nous relier au monde. On va mettre un homme dans une machine. C'est bon, on le réveille.